Pour un biologiste, trois choses expliquent vos comportements: vos gènes, votre environnement et le hasard. Par exemple, quand vous décidez de vous abonner à une chaîne YouTube de science, c'est parce que l'ensemble des événements qui se sont passés dans votre vie jusqu'à ce moment précis a influencé le fonctionnement de vos neurones, qui sont codés génétiquement mais aussi soumis à certains processus aléatoires. Oui, mais où est donc le libre arbitre dans tout ça? Comment rendre compte du fait que quand vous vous abonnez, vous avez l'impression d'avoir fait un choix et que vous auriez pu tout aussi bien décider de ne pas vous abonner? Le problème, c'est que si on rajoute quelque part sur notre dessin le libre arbitre, la question est maintenant de savoir qui crée ce libre arbitre, d'où vient-il? À moins de postuler l'existence d'un dieu ou d'une âme séparée du corps, dans une perspective rationnelle, on est à nouveau obligé de faire appel aux gènes, à l'environnement ou à l'aléatoire. En bref, dire que le libre arbitre existe, c'est supposer l'existence d'une chose séparée de tout et qui n'a aucune cause, ce qui n'est pas possible. Donc forcément, le libre arbitre n'existe pas, ou plus exactement, il est probable qu'il ne soit qu'une illusion. Quand vous avez cliqué sur s'abonner, vous n'auriez pas pu ne pas cliquer. Vos gènes, votre environnement et le hasard avaient déjà décidé pour vous.